Jouer. Ce casque, il va devenir le prolongement de ta tête. Très drôle. J'ai rien d'autre à faire. Mais si, va te promener, va rencontrer les gens du village. Promène-toi, promène-toi. C'est vrai que dans ce trou à rats, il n'y a pas grand-chose d'autre à faire. J'aime pas cet endroit, je veux retourner chez nous. Alice, je te l'ai déjà dit, c'est ici, chez nous, maintenant. Et puis, tu sais bien que ça me tenait à cœur de récupérer la maison de mes grands-parents. Et à moi, tu y as pensé? Oui. Bon, tu as raison. Bon, vois un peu les côtés positifs. On est au calme, sans pollution. Ça, c'est sûr. Même la pollution n'a pas voulu s'installer ici. Ça veut bien dire quelque chose, non? On vit dans une grande maison, sans bruit. À part quand Madame râle. Pas étonnant. Les premiers êtres humains sont à 1 kilomètre d'ici. À vol d'oiseau. Bon, Alice, on est juste à côté d'une rivière. Écoute. Écoute le doux clapotis qu'elle produit. Une fontaine intérieure aurait fait le même effet. Bon, Alice, ton sarcasme, il commence sérieusement à m'énerver. Tu vas prendre tes affaires et tu vas te promener. Mais... Il n'y a pas de mais qui tienne. T'es nul. C'est injuste. Thank you.
Il y a quelqu'un? Chelou. Diablo! Oh! Et dites donc, jeune fille, vous pourriez vous excuser? Hein? Quoi? Oh ben, si jeune et déjà sourde! Je comprends pas. C'est vous qui me parliez il y a 2 minutes? Mais absolument pas! Dites donc, jeune fille, vous pourriez vous excuser d'avoir jeté ma canne dans mes pieds? C'est fâcheux et douloureux! Désolée, je vous avais pas vu et je croyais que c'était une branche. Ah ben, sourde et en plus aveugle! Ah, quelle jeunesse en perdition! Bon, bah, la voilà votre béquille! Et maintenant, laissez-moi continuer à superbe balade à côté du ruisseau. Les nains. Quoi? Hein? Bon, ce que tu appelles un ruisseau, jeune demoiselle, est en fait une rivière qui s'appelle les nains. Oui, ben les nains, ça rime avec néant. Oh. Les gens d'ici sont bien chelous et il y a air. Il y a R. Et d'où vient cette expression que je ne connais point? Il y a R égale y a rien. J'aime pas cet endroit, je veux retourner chez nous et jouer avec mes potes en réseau. Oh, tu joues avec le réseau électrique? Bah, c'est un peu loufoque, ça. Quoi? Vous captez vraiment rien à ce que je raconte. Personne ne me comprend. Oh. Tiens. Bois ça, tu m'en diras des nouvelles. What? Mais c'est trop bon, c'est quoi? C'est de l'anthésite. L'anthésite. Du latin anthésitis, contre la soif, est une boisson rafraîchissante non alcoolisée aux extraits naturels de réglisse, créée en 1898 par l'apothicaire voironnais Monsieur Noël Perron-Berton. L'anthésite, la boisson des familles. Ah, tiens, rends-moi ça. Dis-moi, parle-moi un peu de ce jeu auquel tu attaches tant d'importance. Ce n'est pas un jeu, mais plusieurs. Ce que je préfère, c'est ce que je peux me servir d'une épée. Quand j'enfile mon casque virtuel, j'entre dans un monde incroyable et je combat des monstres, des zombies, et là, je suis invincible. Oh, bah dis donc, un casque virtuel? Ben, moi, à mon époque, pour jouer à la guerre, on avait plutôt des pitous. Des quoi? Des pitous, des gondis sans malice, des petits soldats de plomb. Déjà, j'ai un prénom, c'est Alice. Et puis, je suis pas bête. Ben Alice, je me présente, moi, je suis Marie Bâton. C'est quoi ce nom? Oh, tu sais, c'est à cause de ma canne. Les gens du village m'ont surnommé comme cela. Toi, tu as tes glaives, et moi j'ai mon bâton. Je ne m'en sépare jamais. Moi... Bon, dis-moi, toi, de quel village arrives-tu? Je sais plus, c'est les grands-parents de mon père qui vivaient là. Ah, tu es au bord de l'Hainan. Est-ce que tu viens de Chirins? Non. Ah, Massieu? Non. Saint-Albin de Vauxerre? Non plus. Saint-Georges-en-Valtaine? Toujours pas. Voissant? Non plus. Saint-Buel? Oui, c'est ça, Saint-Buel. Oh ben, j'ai cru qu'on n'y arriverait jamais, nom d'une perche. Et vous? Oh, moi? On raconte plein de choses à mon sujet. Bon, disons que j'ai vécu près de la Morge. La Morge? C'est quoi encore ça? Je connais le Mordor, mais la Morge? Oui, ben dis donc, on voit que tu ne sais pas du tout où tu as atterri. Sache ici, jeune demoiselle, que tu es dans le pays voironné. Lève la tête et dis-moi ce que tu vois. Le ciel. Hein? Mais non, mais plus bas, tête de linotte. Des montagnes. Voilà, des montagnes. Et qui dit montagne dit glacier. Qui dit glacier dit neige. Qui dit neige dit rivière. Qui dit rivière dit l'Hainan, la Furge, la Morge et l'Isère. Ta. Qui dit rivière dit moulin, force hydraulique, création d'usines et d'emplois et patins couffins. Toi qui aimes les épées, tu as sans doute entendu parler de la méthode rivoise qui a rendu célèbre le territoire de la papeterie.
de la soie, du chanvre. Oh, toutes ces industries qui ont fait la richesse du pays et qui l'ont rendu si vivant. Ah. Tiens. Essaye ça. What? Mais c'est quoi? Bon, c'est un casque. Bon, certes, il est plus naturel que virtuel, mais il va t'être très utile. Alice, Alice, écoute bien ce que je vais te dire. De chaque métier visité, un morceau rapporté, de la lame retrouvée, tes peurs libérées. Allez, allez, Alice. Bon voyage. Bon voyage? Mais de quoi elle parle?
Vraiment top ce casque! On s'y croirait! Tiens le gros bâtiment là-bas! Je vais y faire un tour. Y a quelqu'un? Hé! Hey. Ouh! Hé, hey, qui est là là? Y a quelqu'un? Y a quelqu'un? Oh! Ouh! Hé, hey, oh! Hé, hey, vous êtes qui là? Et c'est quoi ce casque? Bonjour, je suis Alice. Chelou ça, j'ai vraiment l'impression qu'il est réel. Et pourquoi il me parle du casque? Eh, hey, dis donc, vous pourriez enlever ce casque-là, vous m'avez donné une de ces frousses. Non, sinon je serai plus dans le jeu. Ok, ok, vous allez comprendre. Mais what? Oh! Oi, 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 oi. Et toi, il y a quelque chose qui tourne pas rond, hein? À moins que j'ai trop abusé de la China. La quoi? La liqueur China fut inventée en 1808 par le pharmacien liquoriste Claudius Brun à Voirne. À base d'orange et de plantes variées des Alpes, cette liqueur est tonique, très digestive, d'une saveur originale et exquise. Bon, ben, puisque vous êtes toujours là, je ne vais pas remettre le casque. Et vous êtes qui et je suis où? Eh bien, mais moi je m'appelle Joseph et ici tu te retrouves à Saint-Buel, dans une usine de tissage. T'as de la chance de me trouver ici, tous les autres sont déjà partis. Moi je dois encore travailler sur un métier qui me donne du fil à retordre. Un métier? Oui, un métier à tisser. Toutes les machines que tu vois ici sont des métiers à tisser la soie. T'as dû entendre le bruit qu'elle faisait tout à l'heure. Attends, je vais te faire écouter quand toute l'usine tourne à plein régime. Ce bruit régulier, et je croyais que ça venait du casque.
Excusez-moi, pouvez-vous me dire quel année sommes-nous? Parce que là, il y a quelque chose qui me chiffonne. Non. Pas de chiffon ici, que des belles soirées. Mais quelle question bizarre. Nous sommes en 1885. Oh my god. C'est bien ce que je craignais. C'est l'usine fermée juste à côté de chez moi. Elle a donc fonctionné il y a longtemps pour tisser la soie. Bah oui, mais pour fonctionner, elle fonctionne. Et surtout depuis la révolte des canuts, de 1831 à 1834. Pour ta gouverne, les usines du Lyonnais ont été obligées d'embaucher dans le Voironnais. Et ça a permis la création d'ateliers et de grosses usines comme celle-ci. Et puis je peux te dire que nous, on est contents, hein. Avec le tissage de la soie, on a quand même un meilleur niveau de vie. Avec le chanvre, c'était différent. Le chanvre, ça se tisse. Mais bien sûr que le chanvre, ça se tisse. Qu'est-ce que tu vas imaginer? Tiens, ferme les yeux. Et imagine-toi au 18e siècle. Qu'est-ce que tu vas imaginer, là? Le roi, les châteaux, les perruques blanches? Mais non, pas du tout. On est à Saint-Buel, dans une famille de paysans, plutôt. Un petit village. Avant, la culture du chanvre était source de revenus complémentaires au travail agricole. Le paysan cultivait la plante. Et grâce à l'eau de l'Hénan et à la force du moulin, on pouvait passer aux différentes étapes de transformation de la plante. Le rouissage, le peignage, le séchage, le filage et le tissage. Et toute la famille participait, de génération en génération, à domicile. Attends, tiens. Regarde ça. Ça, c'est fait de chanvre et la broderie est en soie. Je te la donne. Je suis sûr qu'elle pourra t'être utile. J.F. Ah oui, ça c'est mes initiales. D'accord, merci. Bon, Alice, il faut que je rentre chez moi. Il commence à se faire tard. Puis toi, t'es un peu petite pour être dehors comme ça dans l'usine. Tu peux retourner chez toi. À bientôt, Alice. À bientôt. Bon, ben, je suppose que pour retourner là-bas, faut que je mette le casque.
Eh bien, ton voyage a été rapide à ce que je vois. Mais Marie, votre casque, il est vraiment top. J'ai voyagé dans le temps. Trop charmé. Trop charmé. Mais décidément, je comprends pas du tout ce que tu racontes. Tiens, 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 calme-toi. Et prends-moi un peu de ce chocolat. Ça ne peut pas te faire de mal. En 1884, Félix Bonnat ouvre le premier atelier de chocolatier torréfacteur à Voiron. Sa devise, ce qui fait du bien au palais ne peut pas faire de mal à l'âme. C'est vrai qu'il est bon. Oh, dis-moi, qu'est-ce que tu portes dans ton dos? Ah, ça, c'est Joseph le tisserand qui me l'a offerte. C'est une cape faite de chanvre. Mais il m'a dit qu'elle me servirait. J'ai pas bien compris. Alice, tu as oublié ce que je t'ai dit. De chaque métier visité, un morceau rapporté, de la lame retrouvée, tes peurs libérées. Oui, mais bon, ça m'éclaire pas trop. Je suis un peu perdue. Ah, tu sais, c'est normal à ton âge. Thank you.
Du ruisseau, du lac, j'ai bien aimé la musique. J'avais l'impression de voler au-dessus de l'eau. Tiens, la petite usine là-bas. Mais c'est quoi ce boucan? Mais
Je m'appelle Jean. Vous êtes qui ? Alice. Pouvez-vous... Je suis où ? J'ai atterri ici, je sais pas bien où je me trouve. Bah ici, t'es dans une forge, à côté de la Fure. La Fure ? Oui, la Fure. C'est la rivière qui prend son... Qui prend son lit dans le lac de Paladru, là-haut. Et c'est grâce à sa force et la puissance de l'eau qu'on a pu y installer des artifices. Des feux ? Des feux ? Non, pas des feux d'artifice. Qu'est-ce que tu veux raconter ? Les artifices, qui sont les roues indispensables afin d'actionner les moulins qui vont permettre de faire fonctionner les martinets, qui vont nous permettre de fabriquer l'acier. Et je peux te dire que dans la vallée de la Fure, notre acier, il est connu et reconnu. Tu as sûrement déjà entendu parler des aciers de Rives et de la méthode rivoise. Aïe, 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 pauvre jeunesse, les aciers de Rives. On en a fabriqué des épées, et toujours avec la même méthode, qui consiste à éliminer partiellement le carbone par une longue cuisson dégueuse. Tu comprends vraiment rien à ce que je te raconte, non ? Alors, moi, j'adore les épées, mais la méthode pour les faire, là, je suis perdue. Attends, ça, je suis sûr que ça va te parler un petit peu mieux. Regarde-moi ça. Une poignée d'épée ! Oui. Mais elle est où la lame ? Bah, la lame, elle a été égarée par mon père en 1744. 1744 ? Oui. Mais on est en quelle année ? Quelle question ! En 1788, pardi ! C'est bien ce que je croyais. Mon père, il m'a dit qu'il fallait que tu prennes bien soin de ce pommeau. Ça renferme un secret. Merci. Mais il y a des initiales que j'ai déjà vues. Ah oui, c'est mon père, il a gravé les miennes. Bon, je dois te laisser. Faut que j'aille faire un tour à Tulin-Fur pour voir des cousins. Enfin, il y en a un qui habite à Tulin, l'autre à Fur, à 3 km. Mais si je vais pas les voir tous les deux, ça va se transformer en querelle. Au revoir. Au revoir, Alice. Alice, je vois que ton voyage s'est bien passé à nouveau. Ouais, je commence à y prendre goût. Et là, j'amène un super cadeau. Une poignée d'épée. Oh, dis donc. Et en plus, il y a des initiales que j'ai déjà vues. JF. Oh, nom d'un beau mot. Mais qu'est-ce que cela peut bien signifier ? Je sais pas. Fais voir. Ah, Alice, je t'accompagnerai bien, mais... Tu sais, si je t'accompagne, tu pourras pas grandir. Et puis, des maribâtons, tu vas en trouver dans le passé, dans le présent, dans le futur. La maribâton, c'est un peu une façon de penser. C'est un peu une personne qui voudrait s'éloigner de la civilisation, qui voudrait s'éloigner de la trop industrialisation. Il y a vraiment beaucoup de monde ici. Oh là 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 là. Non, des maribâtons, je pense qu'il y en a un petit peu dans chaque village. Oula, vous m'embrouillez la tête, vous allez loin là. Eh bien Alice, en parlant d'aller loin, il est temps de retourner voyager. Allez, allez. Tiens, et puis moi, je vais me prendre une petite goutte, tiens.
La chartreuse, la liqueur au centre en plante, fabriquée au monastère de la Grande Chartreuse et à la distillerie de Voiron, dont la recette est tenue secrète par deux moines chartreux. Le cadeau distingué qui fait toujours plaisir, en vente dans toutes les bonnes maisons d'alimentation. Eh ben ça c'est bon, ça fait du bien. Un petit peu trop sucré, mais moi j'aime bien, c'est pas mal. Bonjour monsieur, je m'appelle Alice. Pouvez-vous me dire où je me trouve? C'est les nains qui coulent là? Non, ma petite, c'est la morge. La morge? Oui, la morge, oui. J'avais déjà vu les nains, la fure, mais pas la morge. C'est drôle, elles ont chacun un son très différent. Oui, tu as raison. La morge, c'est la plus longue des trois rivières. Elle traverse plusieurs villages. Elle traverse Saint-Opre, Saint-Étienne-de-Crossé, Coubleville, Voiron, Tulin. Ah, quand même! Mais là, on est où? Là, tu es à Moirin. Moirin? Oui, Moirin. Je connais pas. Comment ça, tu connais pas Moirin? Mais Moirin, pourtant, ça a failli être élu chef-lieu de l'Isère en 1780. Tu te rends compte? À 19 voix près contre 556, c'est Grenoble qui a gagné. Bon, ça, si c'est pas dommage, dis. Mais là, vous travaillez pas? Comment? Oh, dis, oh, je travaille pas, mais faut bien que c'est la pause, là. Moi, j'aime bien aller me reposer près du moulin. Tu vois, entre les bruits de l'usine et les vapeurs que ça produit, c'est quand même plus agréable, non? Oui, mais c'est quoi comme usine? Ah, ça? Bah, c'est une papeterie, ça tourne bien, même s'il y en a moins qu'avant. Avant, on avait besoin de l'eau du moulin qui permettait d'activer les maillets qui broyaient le tissu, qui tout permet. Puis ensuite, les femmes, elles prenaient le tissu, elles le lacéraient dans des pièces qui s'appelaient la chiffonnerie. Et puis après, il y a eu les Hollandais avec le gars là, comment il s'appelle, dit? Oh, Jean-Guillaume Écrevisse. Ils ont inventé les cylindres qui permettaient de découper le papier beaucoup plus vite. Et ça permettait un meilleur rendement, et tout ça pouvait s'accélérer. Ça, c'est bien. Et ici, comment ça? Ah, c'est le frère Montgolfier qui ont amené. C'était en 1780, ils ont amené les cylindres. Et c'était à Voiron. Vous avez l'air passionné. Oh, bah, penses-tu? On aime bien nous travailler ici, hein. Et puis ça, là, regarde, cette année, on est en 1908, et ça fait vivre ma famille. Mais on est en quelle année? Ben, 1908, c'est ce que je te dis. C'est ce qu'on dit, les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Le papier qu'on produit ici, ça sera une trace de notre passage. Et à chaque fois que je visite un métier, ils m'ont chacun donné un cadeau, comme cette cape faite de chanvre et cette poignée d'épée. Vous n'aurez pas quelque chose à me donner? Oh, dis, fais voir ça. Mais qu'est-ce que je pourrais bien te donner, moi? J'ai bien des noix, mais bon, on en a besoin toute la journée. Ah si, tiens, je peux te donner la première feuille de papier que j'ai confectionnée. Et regarde, elle peut se glisser dans le pommeau de ton épée. Regarde, il se dévisse. Et t'en prends soin, hein. Tiens, ce papier, je te le donne, j'en ai plus besoin maintenant. Mon grand âge me dit qu'il faut que j'aille me reposer et que j'arrête de travailler. J'ai bientôt passé 64 ans, faut que je me mette en retraite, moi. Et puis,
Je vais aller m'installer avec ma famille à Saint-Buel. Saint-Buel? Mais c'est là que j'habite, c'est chez moi. Bon, Alice. Ouais, je vais me faire engueuler, mon boulet de gueule. Il y a les machines qui reprennent. À bientôt, ma petite Alice. À bientôt.
Oh, tes voyages t'ont requinqué, à ce que je vois. Hein? Bon, ouais. Mais regardez, le pommeau de la poignée, il se dévisse. Oh, dis donc. Et qu'est-ce que tu nous as ramené cette fois-ci? Un bout de feuille. Hein? Regarde. Mais il n'y avait rien d'écrit tout à l'heure. J'en suis sûre. J'ai une gorge, mais je ne peux pas parler. Je coule, mais ne me noie pas. J'ai un lit, mais je ne dors jamais. Qui suis-je? Lorsque tu auras résolu cette énigme, suis le fil pour trouver la lame. Et c'est signé Jacques Furège. Non, c'est impossible. Si, si, attends, calme-toi. On va la résoudre, cette énigme. On va la résoudre. Mais c'est pas ça. Jacques Furège, c'est l'arrière-grand-père de mon père. Furège, c'est mon nom de famille. Oh là 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 là. Oh, toi, t'as besoin de sucre, hein? Tiens. Prends un petit biscuit. Au cœur de la Chartreuse, en 1962, les moniales dominicaines créent une biscuiterie à Notre-Dame de Chalais. Des tours aux étoiles, des arches aux ronds d'or, les biscuits de Chalais, une cérémonie pour votre palais. Ils sont bons. Mais c'est où Notre-Dame de Chalais? Notre-Dame de Chalais, tu ne connais pas? Eh bien, c'est sur la route de Chalais à Voreppe. Oh non, me dis pas que tu connais pas Voreppe non plus. Voreppe, la ville où a séjourné le grand Igor Stravinsky de 1930 à 1934. Oh non, d'un nid, d'oiseaux, de feu. Thank you.
écoutant cette belle musique, j'ai trouvé la réponse à l'énigme. Ah ? La lame est dans le coude, elle est dans la rivière, il faut que je suive le fil de l'eau. Ah, dis donc ça ! Ramasse ton petit biscuit de Notre-Dame de Chalet. Allez, ça va te faire du bien. Et Alice, allez, va, va. Je te laisse chercher. Alice, plus à droite. Mais non, plus à gauche. Quoi? Mais ces voix, je les ai déjà entendues. Vous êtes qui? Les ondines. Les âmes de rivière. Voyons tout. Nous entendons tout. Depuis des siècles. Thank you.
l'a trouvé. Ça y est. Bien joué. De chaque métier visité, un morceau rapporté, de la lame retrouvée, de tes peurs libérées, Alice Furège. Elle n'a plus besoin de nous maintenant. On a bien travaillé.